Bonjour à tous. Bonjour, on est ravis de vous retrouver pour un nouveau stream cette semaine. Alors on est masqués parce que Covid oblige. J'ai avec moi Mathieu que vous voyez, il est gendarme, comme son uniforme l'indique. Je vous le présenterai dans quelques instants. On est masqués parce que le Covid oblige. Il faut que tu te rapproches un tout petit peu, même si on essaie de se mettre un peu loin. On respecte les distances qui permettent effectivement de ne pas se contaminer l'un l'autre. Et voilà, on s'est lavé les mains avant, on se lavera les mains après, voilà. Et on respecte au maximum les mesures sanitaires. Ravi de vous retrouver pour ce stream. Alors cette semaine, on a décidé de vous parler de cybercriminalité pour tout un tas de raisons. La première, c'est que depuis le début de la crise sanitaire et du fait du Covid, on a changé beaucoup nos usages. Alors, vous qui êtes principalement des gamers, vous avez toujours beaucoup utilisé les outils informatiques. Mais sinon, il y a plein de gens qui les utilisaient assez peu, qui maintenant sont connectés déjà pour le travail, les visioconférences, les outils de partage de fichiers. Aussi pour les enfants, l'école en ligne qui s'est développée, puis toutes les courses sur Internet. C'était déjà le cas avant, mais ça a vachement augmenté. Et les arnaques en ligne, les escroqueries en ligne aussi ont augmenté, les attaques ont augmenté. Donc on s'est dit qu'on allait parler avec vous de cybercriminalité, de cyberdélinquance. Alors moi je connais un peu, mais j'avais besoin d'un expert pour m'accompagner, Mathieu. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet cyber qui touche toutes les générations. Faut pas croire qu'il n'y a que les plus anciens qui sont vulnérables parce que crédules sur Internet. Les jeunes aussi sont touchés, les gamers aussi sont touchés. Donc on vous parlera de la cybercriminalité aussi qui peut vous toucher. Voilà pourquoi qu'on a décidé de traiter de ce sujet aujourd'hui. Peut-être juste pour commencer, je vous donne un numéro de téléphone qui est important, c'est le numéro d'info escroquerie. Si vous avez subi une escroquerie en ligne, si vous avez besoin de conseils ou d'informations, vous pouvez faire le 0805 805 817. C'est à ce numéro que vous aurez des renseignements. Il y a environ 1500 appels par semaine pour des gens qui se font arnaquer sur Internet ou qui ont besoin de conseils dans ce domaine. Donc voilà, 0805 805 817 pour avoir des informations sur les cyber-escroqueries. C'est un domaine assez technique, la cyber, et c'est pour ça que Mathieu m'accompagne. Alors Mathieu, c'est avec deux T pour commencer. Mathieu est capitaine de gendarmerie, vous pouvez voir les galons sur son uniforme, et tu es au pôle national de lutte contre les cybermenaces. Alors avec Mathieu, on se connaît depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, c'est la magie des réseaux sociaux, on avait beaucoup échangé en DM. On se connaît en vrai depuis moins longtemps, mais voilà, je suis ravie que tu m'accompagnes pour ce Twitch. Tu parleras tout à l'heure, je pense, du C3N, tu le présenteras, c'est vraiment l'unité d'élite de la gendarmerie nationale qui traite les affaires nationales, internationales de lutte contre la cybercriminalité. Mais toi, tu t'occupes plus précisément de l'animation et de la coordination du réseau Cybergendes. Alors Cybergendes, tu l'évoqueras aussi, c'est 5 900 enquêteurs et correspondants numériques de la gendarmerie au niveau national, mais aussi partout sur le territoire. Et donc voilà, tu participes à cette animation et cette coordination de tous les gendarmes sur le terrain. Mais sans plus tarder, je te laisse la parole peut-être pour te présenter ton parcours et comment tu en es venu à travailler sur ces questions de cybercriminalité. Merci Camille. Donc comme ça a été précisé effectivement, donc officier de gendarmerie du grade de capitaine, donc 3 barrettes sur les épaules. Ça va faire bientôt une dizaine d'années que j'ai intégré la gendarmerie nationale. Mon travail, comme vous l'a expliqué Camille, c'est participer à l'animation, à la coordination du dispositif de lutte contre les cybermenaces qui est en place au sein de la gendarmerie, c'est-à-dire qu'on coordonne aussi bien le volet prévention, donc on évite qu'il y ait des infractions qui soient commises avec des vraies victimes. On s'occupe aussi de coordonner la mise en place d'enquêtes particulières quand il faut interpeller les gens qui ont commis des infractions sur Internet. Et on s'occupe également d'autres sujets en interne, comme la formation et le développement de nouvelles compétences et l'achat de nouveaux matériels. Donc pour revenir sur mon parcours, comme vous l'a évoqué Camille, donc ça va faire une dizaine d'années. Donc j'ai intégré la gendarmerie, donc je suis entré en gendarmerie sur concours. Donc c'est un concours qui est ouvert aux gens qui sont titulaires d'un bac plus 5. Alors me concernant, j'ai fait des études de droit,
principalement de droit pénal et procédure pénale, mais le diplôme qui est imposé, c'est un bac plus 5, donc ça peut être un diplôme d'ingénieur, comme un master en archéologie, comme un master en biologie, enfin le recrutement. Archéologie, ça existe ça? Absolument, j'ai une Des camarade. gendarmes qui sont archéologues, c'est Exactement. fantastique. Et on en trouve par exemple à l'IRCGN, alors on sort de la cyber, mais c'est ceux qui vont travailler sur des scènes criminelles complexes, pour par exemple travailler sur les ossements pour reconstituer des affaires criminelles complexes. Donc effectivement, il y a plusieurs milieux d'études hein, qui répondent à ce concours. Mais il y a également des recrutements spécifiques, puisque, comme vous l'avez compris, la gendarmerie se transforme et, dans le cadre d'un plan global, hein, on vise à développer le numérique au sein de notre institution, de manière générale, le ministère de l'Intérieur. Donc, l'idée, c'est vraiment de recruter des gens qui ont fait des études dans la cybersécurité, dans le numérique, qui viennent après travailler chez nous, qui développent des compétences, qui créent des outils, qui créent des logiciels, qui vont être utiles pour différentes choses, soit pour faire de l'enseignement, soit pour faire des enquêtes, soit pour faire du renseignement, soit tout simplement pour faciliter la vie des gendarmes. De tous les jours. Ok, alors moi ce que je retiens, c'est qu'il y a notamment deux unités phares au sein de la gendarmerie. Il y a le C3N, où il y a je crois à peu près une cinquantaine d'enquêteurs et qui là font vraiment des enquêtes nationales, internationales. Et puis le réseau Cybergendre, c'est les 5 900 enquêteurs de terrain. Alors voilà, comment tout ça se coordonne? J'ai entendu dire aussi qu'il y avait des enquêteurs qui faisaient des enquêtes sous pseudo, donc un peu en infiltration dans le monde cyber. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? La gendarmerie, pour le faire de manière très schématique, donc c'est une institution militaire. Donc, comme on est militaire, on est très hiérarchisé. Donc, ça fonctionne comme une pyramide, donc avec à sa tête une unité spécialisée à compétence nationale, donc qui est le C3N, le Centre de lutte contre les criminalités numériques de la gendarmerie, qui est à Cergy-Pontoise, qui lui, effectivement, va être engagé pour les enquêtes judiciaires sur le haut du spectre. Par exemple, là, je vois dans les commentaires quelqu'un qui mentionne le dossier EncroChat. Bah, par exemple, c'est le C3N qui a mené l'enquête sur le dossier EncroChat, même si après, il y a plusieurs développements judiciaires qui sont en cours et que, bien évidemment, on ne pourra pas évoquer au regard du secret de l'enquête et de l'instruction. Après, effectivement, comme tu l'as dit, il y a les 5 900 gendarmes qui sont formés à la lutte contre la cybercriminalité. Donc, en fait, le dispositif gendarmerie, à sa tête, vous avez l'unité à laquelle j'appartiens, la direction générale. Après, il y a un service d'enquête qui a une compétence nationale, donc en France métropolitaine, mais bien évidemment en Outre-mer, qui est focalisé sur les enquêtes judiciaires. De l'autre côté, on a les techniciens, l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Et ensuite, on décline jusqu'au niveau de la commune, donc la ville, Donc hein. même dans les petites brigades, en Exactement. fait, il y a des correspondants Et c'est numériques. même là où il y en a le plus. D'accord, ok. Donc en fait, C'est bon à l'idée. savoir ça. Donc si vous avez besoin d'aller déposer plainte dans votre brigade territoriale, il y aura un correspondant qui quand même comprend toutes les questions numériques. Exactement. Donc en fait, l'idée, c'est que dans toutes les brigades de gendarmerie, il y ait des gendarmes qui soient ce qu'on appelle correspondants en technologie numérique, donc qui sont en mesure de comprendre la situation d'un point de vue technologique, de prendre vos plaintes, de prendre les plaintes des victimes, et le cas échéant, quand ils sont sur une scène d'infraction numérique, de réaliser ce qu'on appelle la préservation de la preuve. D'accord. Alors, je pense que je m'avance pas trop en disant que dans la police, c'est pareil. Il y a la sous-direction de la lutte contre la criminalité cyber qui est basée à Nanterre. C'est un office de la police judiciaire. Donc, voilà, c'est pareil. C'est comme on dit dans notre jargon, c'est le haut du spectre. Et puis après, dans les brigades qu'on appelle donc les commissariats de police, il y a aussi des correspondants. J'imagine que c'est quelque chose d'assez similaire pour la police nationale aussi. Donc on évoquait en crochat parce qu'on en a beaucoup, on a lu beaucoup de choses dans la presse. On peut pas en parler, vous le comprendrez, parce qu'il y a une enquête judiciaire justement qui est en cours. Et dans les enquêtes, il y a un secret de l'enquête. C'est comme ça dans le droit pénal et dans la procédure pénale. Mais voilà, sur Internet, en source ouverte, vous trouverez beaucoup de choses qui décrivent cette enquête. Et c'est vrai, bravo à la mobilisation des gendarmes sur ce dossier. Moi, j'ai beaucoup de gens, alors pas sur Twitch pour le moment, mais sur d'autres réseaux sociaux qui m'ont demandé effectivement s'il fallait à tout prix faire des études informatiques, cyber, sécurité des réseaux. Et donc tu réponds qu'on peut aussi avoir un parcours varié sur toutes ces thématiques. Tout à fait. Et en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que en gendarmerie, on recrute majoritairement des sous-officiers. Donc en fait, il y a deux niveaux de recrutement. Il y a les officiers, comme moi, qui sont recrutés à bac plus 5. Mais on peut très bien rentrer en gendarmerie avec un bac ou un bac professionnel, avec des spécialisations qui sont d'ailleurs très intéressantes pour la gendarmerie. On peut aussi rentrer en gendarmerie avec une licence en informatique ou une licence en électronique. Et après, effectivement, pendant la formation, évoquer son choix de travailler dans la cybercriminalité. Et dans ce cas-là, la personne qui gère les effectifs, donc l'administration, orientera le gendarme vers des services spécialisés où justement bah, ses compétences qu'il a déjà acquises ou qu'il va continuer à acquérir au cours de sa carrière pourront être utiles aussi bien à l'institution que pour ses camarades.
Ok, bon, ben on va peut-être rentrer dans le cœur du sujet maintenant et commencer à parler des principales infractions, des principaux risques en fait en matière cyber. Alors moi, ce que j'ai noté comme le principal risque, c'est l'hameçonnage, le phishing, comme on dit en anglais. Alors, est-ce que tu peux nous décrire l'infraction et peut-être nous dire si les gamers rencontrent plus que les autres ou sous quelle forme ils peuvent rencontrer cette tentative de phishing et d'hameçonnage? Et qu'est-ce qu'il faut en faire pour s'en prémunir, en tout cas? Alors effectivement, le phishing et le hameçonnage, c'est l'infraction ou en tout cas le comportement contre lequel vous risquez le plus victime sur Internet. Pourquoi? Parce que tout le monde a une, voire plusieurs boîtes mail. Et forcément, vous allez recevoir ce qu'on appelle des pourriels, des spams. Mais dans ces mails, il y a aussi des gens qui vont vous écrire, comme ils vont écrire à n'importe qui, pour essayer de voler soit des identifiants de connexion. Donc ça peut être par exemple des identifiants de connexion à des espaces de jeu en ligne ou par exemple pour se connecter à Twitch, donc voler l'identifiant, le mot de passe. Ça peut être des gens qui veulent voler vos identifiants de votre opérateur téléphonique qui vous fournit la box à la maison et le téléphone portable, mais ça peut être aussi des gens qui veulent récupérer les identifiants de la sécurité sociale, des impôts, des banques, parce qu'en fait ce que veulent les pirates informatiques, c'est récupérer vos données pour ensuite vous voler de l'argent. Voilà, le but c'est de l'argent, mais ils utilisent, c'est ce qu'on appelle l'usurpation numérique. C'est ça, ils vont utiliser vos codes, etc., pour aller après chercher des accès à des comptes bancaires. Exactement. On peut aussi imaginer plein d'hypothèses où ils peuvent détourner la carte bancaire ou des chèques en se les faisant livrer, en changeant l'adresse du titulaire du compte en banque. Ils peuvent faire des achats sur Internet si on réussit à dérober le numéro de la carte bleue. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant dans les mails qu'on reçoit qui ont l'apparence de mails de services officiels de l'État ou des entreprises, ou de Twitch par exemple. Mais il faut être aussi très vigilant, c'est si on clique sur un mail, de bien vérifier le site sur lequel on arrive. C'est-à-dire, il faut vérifier toujours que le site sur lequel on va entrer des données à caractère personnel, en particulier quand elles sont très sensibles, comme les mots de passe ou comme les données liées à la carte bancaire, il faut absolument vérifier qu'on est bien sur le bon site internet. Alors, je pense que les gamers, ils connaissent tout ça. C'est plus les personnes qui sont pas très au fait de l'internet, etc. Je pense que notre profil de gamer de Twitch est moins sujet à tout ça. Est-ce que tu as en tête des affaires récentes où des gamers ou des sociétés de jeux vidéo aussi ont pu être hackés par ce dispositif de phishing? Moi, j'ai lu quelque part qu'il y avait un cinquième des escroqueries qui étaient liées à ce phishing ou à ce hameçonnage. C'est une vraie difficulté quand même aujourd'hui et il faut continuer à faire de la prévention sur ce thème. Exactement, parce qu'en fait, c'est très simple, le phishing, ça repose simplement sur l'envoi d'un email, donc ça peut vraiment concerner tout le monde, et forcément, c'est logique, ça va concerner les gens qui sont très connectés ou très souvent connectés. Donc du coup, les gens qui stream et les gens qui jouent sur Internet vont être des cibles particulières parce que c'est des gens qui vont être habitués à utiliser les réseaux sociaux et à utiliser des services en ligne, mais qui du coup peuvent être sollicités par des propositions alléchantes. Donc c'est pour ça qu'il faut faire preuve de vigilance. Ok. Si vous avez des questions tout à l'heure sur le phishing, n'hésitez pas, hein, Mathieu est là avec nous pour y répondre. Moi, dans ce que j'ai lu aussi, sans être une grande spécialiste de ces questions, c'est toutes les questions de rançongiciel, où en gros, on vous demande de payer une rançon pour retrouver l'accès à vos données. Alors ça, j'imagine pour le coup que les gamers peuvent être tout à fait des cibles. Est-ce que tu peux nous décrire l'infraction et aussi tous les conseils de prévention? Alors, le rançon logiciel, c'est un peu plus technique. Donc, généralement, ça se présente sous la forme d'un logiciel anodin ou même d'un fichier PDF ou Word qui est dans une pièce jointe d'un email. Dans ce fichier, il va y avoir effectivement un logiciel malveillant. Et quand vous allez ouvrir la pièce jointe, le logiciel malveillant va s'installer sur l'ordinateur. Le rançon logiciel, c'est quoi? C'est en fait un logiciel donc malveillant qui va chiffrer l'ensemble des données qui sont disponibles, pardon, sur le disque dur de l'ordinateur. Et les données ne seront plus accessibles. Et il va afficher ce qu'on appelle la ransom note en anglais, ou la note de rançon logiciel, c'est-à-dire une adresse généralement en cryptoactif, donc principalement le Bitcoin, en vous disant, avec un compte à rebours qui s'affiche de manière à angoisser, à faire pression sur la victime, payez la rançon de 1 ou 2 Bitcoin, sinon vous ne récupérez jamais vos données. Là où c'est extrêmement dangereux, le rançon logiciel, et on le voit notamment quand ça touche malheureusement des entreprises ou des services hospitaliers, comme ça a pu être le cas et ça a été médiatisé, c'est quand l'ordinateur qui est infecté est connecté à un réseau informatique. Si les ordinateurs sont mal protégés et que surtout il n'y a pas de sauvegarde à la fin, vous pouvez avoir potentiellement tout le réseau de l'entreprise ou de la collectivité qui va être chiffré.
Et là, Donc ça commence à infecter un ordinateur et après ça exactement. se propage. Alors C'est attends, on nous comme un dit virus. juste, on nous dit le ransomware en ce moment c'est de la folie, donc je crois que tu es d'accord. Il faut un disque dur de sauvegarde. Est-ce que c'est quelque chose qui est recommandé, les sauvegardes sur disque dur? Alors effectivement, la meilleure prévention pour le rançon logiciel, c'est de faire très attention sur quoi on clique, donc notamment dans les pièces jointes, mais comme vous êtes plusieurs à le dire dans les commentaires, il faut toujours avoir une assurance, et l'assurance, c'est la sauvegarde. La sauvegarde, il faut qu'elle soit régulière, donc c'est la sauvegarde de la machine, donc avec différentes solutions, soit que vous êtes sur Windows, sur Mac ou sur Linux. Surtout, il faut que le disque dur de sauvegarde, une fois que la sauvegarde est effectuée, soit déconnecté de l'ordinateur. Pourquoi? Parce que si l'ordinateur est attaqué et que le ransomware commence à chiffrer les données de l'ordinateur, il ne faut pas qu'il aille chiffrer, pardon, le disque dur de sauvegarde. Donc la sauvegarde doit être distante sur un disque dur. Si possible, avoir aussi une sauvegarde dans un cloud sécurisé, de manière à avoir toujours deux assurances. Mais effectivement, oui, la sauvegarde pour ce qu'on appelle remédier à la situation, c'est-à-dire pour éviter de rester dans une situation compliquée, c'est la meilleure solution à faire. Donc sauvegarde déconnectée. Alors conseil du moment pour les rançons logiciels, on ne laisse pas la main à une personne extérieure à l'aide d'un soft comme TeamViewer, Logman, pour répartir l'ordinateur ou régler le problème. Ça Voilà. te... Ça, effectivement, c'est ce qui est évoqué, c'est la possibilité pour une personne de se connecter à distance, donc le bureau à distance, pour essayer de régler un problème. Donc, c'est souvent les services informatiques qui font ça pour des particuliers ou même dans les entreprises ou dans certains services publics. Effectivement, il faut se méfier et, comme c'est souligné avec justesse, il ne faut pas effectivement laisser la main à quelqu'un qu'on ne connaît pas sur notre ordinateur. Ok, moi c'est ce que je fais. C'est mon ordinateur, personne n'y touche. Il y a des commentaires si tu veux réagir aussi dans le chat. Alors, il y a plusieurs questions. Donc, les sauvegardes Sauvegarde déconnectées, parfaite. effectivement, c'est Oui. impératif. Ce que nous venons de dire. Ah, pour une sauvegarde parfaite, trois copies, deux médias différents, une sauvegarde sur un site extérieur. Effectivement, après, ça dépend de la sensibilité des données, mais il faut au moins deux, voire plus, en sauvegarde, surtout si on est une entreprise ou si on est un particulier qui travaille beaucoup, voire quasi exclusivement avec l'outil informatique. Tu as aussi un commentaire sur ce qui se passe sur YouTube, une chose virale. Donc vol de vidéo en faisant croire que c'est la personne qui... Et en plus, la personne fait un direct et des enfants croient que... J'arrive Oui, en pas à fait, comprendre. Vas-y, mais tu as compris, c'est toi. les gens qui veulent du. Ce doit être les gens qui veulent des vidéos, qui les repostent sur leur compte à eux. Ah, En fait, en d'accord. gros, ils s'approprient le travail des autres. Alors, ça, on est plus sur un litige qui concerne le droit d'auteur. Alors, effectivement, déjà, il faut signaler la vidéo à YouTube. Mais si c'est des vidéos qui sont, par exemple, produites dans un but commercial, il ne faut pas hésiter à les déposer plainte parce que bah, c'est une infraction, la contrefaçon. Hein. Donc, il faut C'est les pas. droits d'auteur. Exactement, il ne faut pas hésiter à déposer plainte dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police. Tout ça, c'est des délits, effectivement. Et Brian, t'es arrivé en retard. T'as loupé 23 minutes, mais t'inquiète pas, il y a du replay. Ok, bon. Je crois que j'avais. Sur les rançongiciels, est-ce que tu as des exemples qui touchent les gamers particulièrement? Moi, j'avais lu des choses dans la presse sur les jeux vidéo, les plateformes de jeux où ces rançongiciels étaient quand même courants avec des vagues d'attaques de logiciels malveillants, Steam par exemple. Ça te parle tout ça Alors ou... voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, sachant qu'effectivement, les entreprises de jeux vidéo, comme c'est un marché économique qui vaut beaucoup, enfin il y a beaucoup d'argent en jeu, effectivement, les entreprises qui soit vendent des jeux en ligne comme Steam, ou même les entreprises qui développent, peuvent être la cible de piratage informatique et effectivement peuvent voir leur système d'information chiffré. Pourquoi? Parce qu'on peut imaginer que pour une très grosse entreprise internationale qui produit des contenus vidéo ou des jeux vidéo, perdre la possibilité de travailler pendant 1 heure, ça lui coûte 1 million d'euros par heure de chiffre d'affaires. Donc effectivement, les gamers, mais surtout les entreprises, sont des cibles en la matière s'agissant des rançons logicielles. Ok, alors une toute autre infraction, alors moi ça m'avait marqué au moment des attentats 2015-2016, c'est tout ce qui a trait aux défigurations et aux attaques en déni de service. Moi j'ai des souvenirs sur des attaques terroristes ou en même temps dans le domaine cyber il y avait des attaques. Est-ce que tout ça continue, les attaques en déni de service, les défigurations? Est-ce que c'est quelque chose au contraire qui s'est développé ces dernières années? Est-ce que c'est stable? Voilà, je ne sais pas si c'est une infraction que vous suivez particulièrement. Si, si, effectivement. Donc, on suit. Donc, l'attaque en défiguration, en gros, c'est quelqu'un qui va exploiter une faille de sécurité sur un site internet
et qui va défigurer, autrement dit, qui va effacer le contenu du site qui est visible par n'importe quel internaute, et il va généralement mettre un message revendicatif. Effectivement, ça a été souvent vu après les attentats en 2015, et ça avait été vu il y a quelques mois aussi, où effectivement, il y a plusieurs enquêtes judiciaires qui sont en cours, parce que bah, pénétrer dans un système de traitement automatisé de données, supprimer ou altérer des données pour ensuite afficher autre chose, comme par exemple des messages qui font l'apologie du terrorisme, tout ça, ce sont des infractions, donc il y a effectivement des enquêtes judiciaires en cours. Alors ça, je rebondis sur une question qui vient d'être posée sur le nombre de personnes jugées en France pour ces actes. Alors je pense que le nombre, on va ni moi ni Mathieu pouvoir vous le donner. Il faudrait qu'on aille consulter les statistiques du ministère de la Justice. Après, des enquêtes, il y en a beaucoup quand même. Est-ce qu'elles portent leurs fruits? Est-ce qu'on a allé au bout? Est-ce qu'il y a des conclusions? Moi, je sais que le travail des enquêteurs est méticuleux pour rassembler les preuves. C'est un vrai travail d'investigation, d'investigation particulier. Est-ce que là-dessus, comment tu réagis? Alors effectivement, il y a des enquêtes, il y a des résultats, mais ce qu'il faut comprendre, et je pense que tout le monde peut le comprendre, c'est que Internet, contrairement au monde physique, n'a pas de frontières. Donc effectivement, les enquêtes vont être compliquées parce qu'on peut avoir des rebonds de connexion à l'international, on peut avoir des gens qui utilisent des méthodes pour essayer de s'anonymiser le plus possible, puisqu'on part du principe que quand on est sur Internet, on est rarement, voire quasiment jamais anonyme, il y a toujours une trace quelque part. C'est comme quand on rentre dans une pièce dans la vraie vie, il y a forcément une trace qui est laissée, soit par notre odeur, soit par notre ADN, soit par notre empreinte digitale. Sur Internet, c'est exactement pareil. En revanche, effectivement, il y a des résultats. Il y a des gens qui ont été placés en garde à vue parce qu'ils avaient menacé une jeune fille sur Twitter, sur Instagram. Il y a des enquêtes, il y a des individus qui ont fait l'objet d'une première condamnation devant un tribunal correctionnel pour du cyberharcèlement, même s'il y a eu un appel et que les faits ont été jugés. Donc la personne est toujours présumée innocente, hein, bien sûr. Mais les gens, effectivement, qui commettent des infractions sur Internet sont identifiés. Quand on a eu des gens qui ont posté la photo de Samuel Paty après l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine sur Twitter, T'as raison. pendant plusieurs semaines, bah, tous ceux qui postaient de la photo n'importe où en France sur Twitter, on a été les chercher, on les a présentés à l'autorité judiciaire. Nous, après, notre travail s'arrête là pour les condamnations et pour les suites judiciaires. C'est le ministère de la Justice, effectivement, au titre de la séparation des pouvoirs, hein, qui intervient. Après, moi, je sais aussi, pour discuter avec des enquêteurs de terrain, policiers et gendarmes d'ailleurs, la cyber, ça aide aussi à résoudre plein d'autres enquêtes. Je pense aux stupéfiants, je pense à tout un tas d'autres trafic d'armes ou terrorisme, une fois de plus. On va utiliser la cyber pour arriver à démontrer un certain nombre de faits qui sont dans le droit commun ou dans le champ du terrorisme. Donc en fait, c'est aussi des outils d'investigation en plus pour tous les enquêteurs, policiers et gendarmes. Alors, pour vous donner un exemple, c'est par rapport à ce qu'explique Camille, effectivement, vous avez en ce moment des individus qui pensent qu'ils peuvent proposer sur Twitter notamment de la weed ou du stup ou des armes en mettant un lien vers un compte Snapchat. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bah, nous, on le voit et que bah, nous, on enquête sur ces gens-là. Et par exemple, en Seine-et-Marne, la gendarmerie a interpellé des gens qui avaient créé un Uber Shit, donc comme l'entreprise Uber, mais avec Shit pour la livraison de stup. Vous avez des gens, pareil, dans le bassin d'Arcachon, qui avaient, eux, créé un Uber Weed. Et bah, ces gens-là, ils ont été interpellés par les gendarmes, placés en garde à vue. Tout l'argent qui avait été gagné a été saisi et confisqué par la justice. Et puis après, ils vont être jugés par les magistrats et peut-être ils seront condamnés à des peines d'emprisonnement et des fortes peines d'amende. Alors on me dit, ça me fait rire quand j'entends des parlementaires dire que nous sommes anonymes sur Twitter. Ben non, on laisse des traces partout, tu as complètement raison. Et nous, quand il y a des réquisitions judiciaires, on peut remonter sur les adresses IP et savoir qui a posté quoi, à quel moment, etc. Ça, c'est la base de l'enquête. Donc ouais, je suis d'accord avec le commentaire. DOS, un enfant de 10 ans peut copier la ligne et cliquer sur... Oui, Bah parfait. pas moi, hein, ça je vous le dis tout de suite. C'est pas si simple que ça, c'est que vous êtes très fort. Alors, sachant que le DDoS, c'est illégal, hein, c'est effectivement faire une attaque en déni de service sur un site internet ou sur un serveur dans le but de nuire au fonctionnement du système. Autrement dit, bah, c'est je programme une ligne de commande pour envoyer plein de requêtes de connexion sur un site internet quelconque. Je ne vais pas donner d'exemple pour ne pas vous inciter. Effectivement, ça, c'est une infraction. Et il y a des gens qui, des petits, et généralement c'était enfin, des petits malins et des gens qui étaient plutôt jeunes, qui, à l'époque des Anonymous, ont eu envie effectivement de faire ça. Bah, le problème, c'est comme Camille vient de le dire, ce qu'on fait sur Internet, c'est comme dans la vraie vie, ça laisse des traces. Donc personne n'est anonyme, on peut conclure par ça parce que y a plusieurs, vous êtes plusieurs à poster là-dessus et je crois que voilà, ça tout le monde est d'accord. On n'est pas anonyme et quelque part c'est pas mal. Moi je trouve qu'il y a une vraie magie sur les réseaux sociaux. On peut échanger, parler ensemble et puis un jour on se rencontre. Voilà, moi ça m'est arrivé plusieurs fois et ça c'est vraiment chouette. Donc il ne faut pas non plus faire du bashing des réseaux ou des plateformes. Il y a à apprendre et à laisser. Quand on sait bien l'utiliser, c'est des outils puissants et fabuleux.
En tout cas, moi, j'en suis persuadée. Alors, tu évoquais tout à l'heure quelque chose, et je pense qu'on peut passer un peu de temps là-dessus, c'est tout ce qui est discours de haine, harcèlement en ligne. Je sais qu'il y a pas mal de streameuses aussi sur Twitch qui ont pu être confrontées à cela. Sur d'autres réseaux aussi, je pense à Twitter, avec des dispositifs vraiment de harcèlement en meute. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, dire ce qui est mis en place en termes de prévention, peut-être donner des points d'entrée quand on subit ce type de choses, comment réagir? C'est Alors, important, je pense. effectivement, déjà sur Internet, les gens pensent que parce qu'ils sont chez eux derrière un ordinateur ou une tablette ou un téléphone portable, ils pensent qu'ils risquent rien. Bon, l'actualité nous a prouvé que ce n'était pas forcément vrai et c'est même pas vrai du tout. Après, effectivement, il y a du cyberharcèlement, il y a des attaques en meute, et ça dépend. Enfin, c'est des choses qui sont assez variables et c'est quelque chose qui est extrêmement angoissant pour la victime. Pourquoi? Parce que sur son compte Twitter, sur Instagram ou sur Facebook, elle va avoir des centaines et des centaines, voire des milliers de notifications et avec parfois des photos qui lui ont été dérobées, on en parlera après, ou avec parfois ses coordonnées personnelles hein, qui sont diffusées, où il y a des gens qui après harcèlent téléphoniquement, etc. Donc la première chose à faire, déjà, c'est se protéger. Donc il faut verrouiller son compte et désactiver ses notifications. La première chose à faire, se protéger. Et après, la deuxième chose la plus importante à faire, c'est en parler. En parler à quelqu'un d'autre. Si Pas on est, rester tout seul voilà, ne avec pas ce rester tout poids, seul. Il parce que faut. c'est un délit et donc il faut qu'il y ait une procédure Voilà. judiciaire. Et après, donc troisième conseil, il faut faire des captures d'écran et aller dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police pour déposer plainte. Tout en sachant que si vous êtes chez vous, par exemple, qu'il est tard, que c'est minuit, 1 h du matin, 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, toute l'année, vous pouvez contacter la brigade numérique de la gendarmerie, soit via les réseaux sociaux, soit directement via le lien contactez-la-gendarmerie.fr, tout attaché, et vous avez un gendarme qui, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, peut vous répondre et vous orienter, vous donner des bons conseils. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à en parler autour de vous, à contacter la gendarmerie ou la police nationale, et bien sûr, pour qu'après on puisse enquêter et retrouver les gens qui ont fait ça, parce que bah, ça ne doit pas rester impuni, il faut déposer plainte. Ouais, je lis rien n'est fait par Twitch sur la plateforme apparemment, témoignages récents de streameuses. Alors oui, moi aussi j'ai déjà eu ce type de témoignage. On va en profiter, nous on est en lien avec Twitch, voilà, ça sera l'occasion qu'on en reparle aussi avec eux. Je dis pas qu'on va changer la face du monde ou qu'on va faire évoluer les choses, mais je m'engage, voilà, je vais leur en reparler parce que je pense que c'est important effectivement, notamment pour les femmes, et je le dis en tant que femme sur les réseaux sociaux, voilà. On a plusieurs commentaires aussi. Ils se croient puissants parce qu'ils sont derrière un écran. Ouais, je suis bien d'accord. Merci pour elle. Je suis d'accord. Quand on constate sur Internet des contenus illicites, injurieux, racistes, insultants ou des atteintes graves de type apologie du terrorisme, à ce moment-là, on peut les signaler en ligne et c'est Pharos, c'est ça? Exactement. Donc Pharos, c'est ni plus ni moins qu'une plateforme, donc qui est accessible, pareil, toute l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc l'adresse, c'est Alors attends, je crois que j'ai www.internet-au-signalement.gouv.fr. prévu un Donc slide. on va Je vous pouvoir vous mets le l'afficher, slide. Vas-y, je ce te sera laisse plus parler, simple. mais je te mets le slide via l'adresse Voilà, internet, ça va être plus simple. effectivement, l'idée, c'est que chaque internaute, chaque usager peut signaler sur cette plateforme donc des faits qui ont en tout cas des contenus qui sont illicites. Alors, il y a certaines infractions pour lesquelles c'est pas possible. On en parlera peut-être parce que pour certaines infractions, il faut d'abord déposer plainte. C'est la loi, on est obligé bien évidemment de la respecter. Mais par exemple, vous tombez sur une photo qui représente une personne très jeune comment dirais-je, dans une posture pornographique, ça, vous pouvez signaler. Vous trouvez, vous constatez, pardon, des propos de gens qui incitent à la haine, qui disent qu'il faut s'attaquer à telle ou telle communauté. Ça peut être signalé. Des gens qui diffusent des photos de Daesh ou des photos d'un attentat, ça c'est pareil, ça peut aussi être signalé à la plateforme Pharos. La plateforme Pharos, c'est des policiers et des gendarmes qui sont dans les faits basés à Nanterre, donc dans les Hauts-de-Seine, pas très loin de Paris. C'est au sein de la police judiciaire. Ils sont fantastiques. Moi, j'ai été visiter, Et c'est voilà, ils super. vont analyser le signalement, l'analyser, commencer les premiers actes d'enquête, donc c'est-à-dire par exemple envoyer une réquisition pour identifier qui est par exemple l'utilisateur du compte Twitter qui a posté telle ou telle image. Et puis après, en fonction de la localisation géographique de la personne, l'adresse sera transmise à la police, à la gendarmerie, à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux, peu importe. Alors, on a une question intéressante, c'est qu'est-ce qu'on fait dans la police et dans la gendarmerie pour les enfants et en milieu scolaire sur ces questions de protection cyber, sur le revenge porn aussi, c'est peut-être le moment d'en parler, notamment pour les jeunes filles. Alors effectivement, là, depuis tout à l'heure, on parle de comment réagir. Alors dans la mesure du possible, nous, on aimerait qu'il y ait moins de victimes, bien évidemment.
Donc on travaille beaucoup sur la prévention. Comme ça a été dit dans le chat et comme on en a parlé tout à l'heure, la prévention dans les écoles, autrement dit, la prévention est faite jeune, plus c'est intéressant. Donc c'est pour ça que la Gendarmerie nationale a créé en partenariat avec l'Éducation nationale ce qu'on appelle le permis Internet, donc qui commence dès le CM2, donc en école primaire, où en fait l'idée, ça va être de donner des bons conseils aux enfants pour qu'ils sachent comment utiliser les réseaux sociaux en toute sécurité, parce que la plupart des comptes sont accessibles à partir de 13 ans. Bon, dans les faits, il y a beaucoup de jeunes, hein, qui trichent sur l'âge pour s'inscrire sur telle ou telle plateforme. Mais par exemple, de ne pas donner sa vraie identité sur Internet quand on est un mineur. Après, quand on est majeur, chacun fait ce qu'il veut, hein. Ne pas donner sa vraie identité, ne pas diffuser ses coordonnées personnelles, comme son adresse ou son numéro de téléphone, ne pas partager de photos dans des postures suggestive ou en tout cas d'images à caractère personnel. Pourquoi? Parce que ça peut être utilisé par des personnes qui sont mal intentionnées pour après faire ce qu'on appelle du chantage, hein, ou du revenge porn, comme on va en parler juste après. Donc effectivement, voilà, c'est les conseils de prévention. Et après, tout au long de la scolarité, dans les collèges et dans les lycées, vous avez des gendarmes qui interviennent, ce qu'on appelle des référents en milieu scolaire, et qui présentent les principales menaces sur Internet. Donc par exemple, juste avant les vacances forcées avec le Covid, on a effectivement beaucoup parlé du cyberharcèlement, des problématiques du revenge porn ou même du sexting, avec toujours un discours où, en gros, ce sont des conseils de prévention et de prudence, de manière effectivement à ce que les jeunes soient sensibilisés. Sachant que, en fait, on se rend compte aussi que, malgré tout, les jeunes sont quand même bien sensibilisés, hein, et paradoxalement, certains sont plus sensibilisés que leurs parents. Je pense que certains, ils expliquent les trucs à leurs parents. Ça, j'en serais pas étonnée, c'est souvent le cas. Je te laisse lire, il y a pas mal de commentaires dans le chat. Alors, il y a pas mal de Pharos qui commentaires. fonctionne bien pour tout ce qui est comportement pédophile. Ouais, je suis d'accord, il bosse super bien. Alors, on m'a dit récemment qu'il fallait pas dire pédopornographique parce que c'est trop léger. C'est vraiment. Comment. C'est quoi la Alors, bonne la bonne expression, terminologie? c'est en fait, voilà, pédopornographique, il y a le mot pornographique. Bon, la pornographie au sens strict, c'est pas interdit, mais tout ce qui concerne les mineurs, c'est interdit. Donc, en fait, ce qu'il faut C'est de comprendre, c'est. l'exploitation Voilà. sexuelle de mineurs. C'est comme ça qu'il faut dire, parce que pédopornographie, il y a des gens qui disent c'est pornographie, c'est pas très grave, même s'il y a des enfants. Alors que si c'est de l'exploitation sexuelle d'enfants, c'est pas du tout la même chose. Et c'est super si les signalements Pharos fonctionnent, et ça m'étonne pas parce qu'ils bossent vraiment bien. Donc merci pour le commentaire dans le chat. Sur la prévention, on a répondu. Il y a quelqu'un qui t'appelle mon capitaine, on Ouais, dit je comme vois. ça. Alors la question, c'est déposer des plaintes, c'est une bonne chose, mais dans les faits, c'est souvent inefficace face aux divers moyens de se cacher sur Internet. Alors, Machine on zombie, va ouais. pas rentrer dans les détails, parce que c'est pas le Faut pas but non plus, dévoiler nos voilà, techniques d'expliquer comment on d'investigation, fait. voilà, on est clair Mais là-dessus, ouais. dans l'absolu, même quand on utilise un VPN, il y a toujours quelque part une trace. Donc on n'en dira pas plus, mais il y a toujours une trace. Après, je suis d'accord avec toi, et il y a beaucoup de victimes qui nous le disent, ils trouvent toujours que les suites judiciaires sont pas à la hauteur des attentes des victimes, mais c'est normal, quand on est victime, on veut que l'auteur soit retrouvé et paie le plus cher. Voilà, après, on sait que c'est pas 100% malheureusement, et des fois c'est pas 90%, des fois c'est moins, donc on est d'accord, nous aussi on voudrait que ce soit 100% qui est une sanction lourde. Oui, non, systématiquement dans les classes de France, oui, police ou gendarmerie, vous savez en France c'est séparé en deux, il y a des secteurs, c'est la police qui assure la sécurité. Dans ces cas-là, c'est les référents scolaires de la police qui vont dans les écoles. L'autre partie, c'est la gendarmerie, tu viens de l'expliquer. Donc oui, toute la France est couverte par ces officiers de prévention qui vont dans les écoles, par les cyber, par les harcèlements scolaires aussi, et des fois, tout ce qui est lié au racket, tout ce qui est lié à la prévention des stupéfiants aussi. Donc voilà, notamment au collège, et après, on fait, voilà, primaire et collège, c'est les deux cibles principales. Un article dans la revue. Ouais, non. T'as un admirateur là, je Ouais, crois. on parlera du Conseil d'État dans un autre part que sur Twitch, c'est pas forcément le lieu. Voilà, sinon vous allez nous perdre. Hein. Signalement Pharos, oui, merci pour le lien. Signalement Pharos, effectivement, n'hésitez pas. Voilà, vous avez des policiers, des gendarmes qui prennent en compte ces signalements pour voilà, recueillir les preuves et réaliser les procédures judiciaires. Moi, je ne comprends pas tous les commentaires. Hein. Alors aussi, on n'a pas parlé de cybermalveillance. Cybermalveillance.gouv.fr, c'est un service qui est, je crois, rattaché à Matignon, au Premier ministre. Donc c'est haut niveau. C'est plus haut que nous. Voilà, c'est un autre niveau que le nôtre. Et ils ont un site internet qui est vraiment super.
Vous pouvez aller voir, il y a plein de conseils, alors à la fois pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises, notamment les petites entreprises TPE, PME. Des fois, ils sont. Enfin voilà, tout le monde n'a pas des super ingénieurs RSSI. Quand c'est une toute petite entreprise, c'est compliqué d'avoir une personne ressource qui maîtrise parfaitement tout ça. Donc ça peut être pour les gens qui nous regardent une source d'information et de conseils. Voilà, ils font vraiment de la prévention intéressante. Donc cybermalveillance.gouv.fr. N'hésitez pas à aller voir si vous avez besoin d'informations. Je crois qu'il y a un numéro aussi. Alors je ne l'ai plus en tête, mais voilà, sur Internet, vous trouverez tout de toute manière. Je suis pas. Je suis arrivée en retard. Ah, la coopération internationale. Je te laisse peut-être en parler, c'est Ouais. intéressant. Alors bien sûr, comme tout le monde a compris, donc Internet, par définition, il n'y a pas de frontières, puisqu'on peut se connecter en une fraction de seconde à l'autre bout du monde pour échanger avec quelqu'un. Donc effectivement, il y a une coopération internationale, en fait, elle se fait sous plusieurs aspects. Il y a ce qu'on appelle la coopération policière, donc ce sont les enquêteurs qui vont échanger des renseignements. Par exemple, dans l'Union européenne, on travaille beaucoup avec Europol, donc qui est l'organisme de coopération policière pour les forces de l'ordre dans toute l'Union européenne. Mais on travaille aussi avec Interpol, donc sachant que le siège d'Interpol est en France, à Lyon. Et à Interpol, c'est une agence de police qui organise le partage de l'information entre toutes les polices du monde. Donc par exemple, quand on recherche quelqu'un qui profite d'enfants dans un pays, par exemple en Asie, et qui diffuse des contenus sur Internet, c'est Interpol qui va envoyer ce qu'on appelle une notice rouge à tous les pays pour l'interpeller. Et effectivement, ça fonctionne bien. Après, il y a aussi la coopération internationale des magistrats, donc là c'est d'autres organismes où en gros un procureur de la République ou un juge d'instruction peut saisir l'organisme de coopération qui s'appelle Eurojust pour l'Union européenne et pouvoir ensuite parler avec un magistrat italien, un magistrat belge, que sais-je. Mais effectivement, voilà, tout le monde collabore et après il y a ce qu'on appelle des mécanismes de coopération à l'international où on peut envoyer par exemple une réquisition aux États-Unis, à Google par exemple, pour qu'elle nous donne des informations sur le contenu de tel ou tel email parce que quelqu'un a déposé plainte chez nous. Alors après, c'est un peu plus long. Parce que, en gros, sans rentrer dans les détails, il y a la question du droit en France, mais il faut aussi, quand on s'adresse à une entreprise qui n'est pas en France, qu'on respecte le droit étranger. Et du coup, c'est le magistrat étranger qui va décider ou pas de donner une suite favorable à notre demande. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais dans tous les pays, il y a soit un policier ou un gendarme français qui est présent. Et bien souvent, il y a aussi un magistrat ou une personne du ministère de la Justice qui est présent dans les autres pays auprès de l'ambassadeur et qui s'occupe comme ça de coordonner les liens avec les différents pays quand il y a des commissions rogatoires internationales ou ce genre de choses. Donc, il y a tout un réseau en fait. Et le cyber, je sais même qu'il y a des postes. J'ai un ami qui est en poste là-bas à Singapour, par exemple. Voilà, il y a un commissaire de police, je crois qu'il est commissaire divisionnaire même, qui est dédié à tout ce qui est cyber pour la plateforme asiatique. Donc voilà, ça se développe aussi. Et c'est normal, voilà. Plus il y a d'infractions et plus il faut, quand c'est international, développer les liens avec tous les pays. Mais voilà, c'était un bon commentaire. Alors, si, moi, j'avais une question. Sur tout ce qui est enquête sous pseudo, infiltration, je crois que c'est surtout dans le domaine de l'exploitation sexuelle de mineurs qu'on fait ça, peut-être domaine terroriste aussi, j'imagine. Tout ça, c'est très encadré par la loi. Enfin, c'est pas n'importe quel policier ou gendarme qui peut rentrer comme ça et se faire passer pour un délinquant sur Internet. C'est pas possible. Exactement, donc en fait, les policiers et les gendarmes qui sont dans des unités qui sont spécialisées, qui ont une formation particulière, ils peuvent faire ce qu'on appelle l'enquête sous pseudonyme. Alors, on va pas trop détailler pour pas donner de mauvaises idées à certains et pas renseigner sur comment on travaille, mais en gros, schématiquement, ça veut dire qu'on peut parler avec des gens sous pseudonyme sur Internet, mais ce sera légal. En gros, on peut se faire passer pour quelqu'un et discuter avec une autre personne et on peut, sous l'autorité des magistrats, soit du procureur de la République, soit du juge d'instruction en fonction de l'enquête, on peut réaliser certaines choses et on peut obtenir des données ou même en transmettre. Mais après, c'est très encadré, c'est très contrôlé. Pourquoi? Parce qu'en France, les enquêteurs, les policiers ou les gendarmes n'ont pas le droit de provoquer à la commission d'une infraction. Nous, on est là pour rechercher des preuves. Pour ensuite que elle soit présentée devant un tribunal, mais on n'est pas là pour inciter les gens à commettre l'infraction. Donc c'est pour ça que c'est très encadré et c'est pour ça qu'on ne peut que déconseiller des initiatives individuelles, même s'il y a une intention louable à la base. Donc c'est un sujet qui est assez sensible, mais il faut Ça, c'est effectivement, important voilà, de le dire, je crois, parce faut que faire des fois, attention. il y a des groupes qui, comme ça, vont rechercher des éléments et qui, des fois, viennent parasiter des enquêtes qu'on a en cours. Alors, c'est normal, vous n'êtes pas forcément au courant, le grand public n'est pas forcément au courant de nos enquêtes parce qu'elles sont secrètes et elles doivent être réalisées secrètement pour qu'elles soient efficaces. Mais voilà, des fois, quand il y a des groupes comme ça qui se montent et qui vont eux-mêmes ch essayer de chercher des infos et des fois qui en trouvent,
ça vient parasiter et donc mettre en danger nos enquêtes. Et donc ça a le contre-effet par rapport à la bonne volonté des gens. Ça, tout le monde la comprend et tout le monde a envie d'aider les personnes victimes et c'est bien normal. Mais des fois, voilà, c'est en fait le contre-effet qui s'applique et ça vient nuire ou vraiment bloquer nos enquêtes en fait. Exactement. Ok, bah c'était intéressant. Alors, Periscope. Ouais, ça a été fermé par Twitter, Periscope. Ah, ça a été fermé, je savais Ouais, pas. ils ont D'accord. arrêté. Hein. Ok. Après, c'était devenu pire. Ok. Ouais. Après, c'est normal d'être fasciné par les enquêtes. Enfin, tout le monde l'a été. Enfin, moi, personnellement, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie d'être policier à un moment donné. C'est que, voilà, vous regardez des séries, vous lisez des polars. Enfin, l'enquête, ça fascine, et notamment les enquêtes cyber. Enfin, moi, c'était pas cyber à l'époque, parce que ça n'existait pas quand j'ai voulu être policier. Mais voilà, c'est normal que ça fascine les gens. Et donc, je comprends aussi ceux qui ont envie de travailler de ce domaine. Mais voilà, plutôt rejoignez-nous, plutôt Exactement. qu'essayer de monter des groupes qui font des enquêtes en parallèle. Alors, TikTok, on a la question TikTok. Et on ne dit pas donc pédophile, c'est des exploitants de sexuels de mineurs, c'est bien C'est plus grave. des délinquants. Délinquants Alors sexuels. effectivement, on Ah, collabore aussi TikTok, ouais. avec TikTok. On a, en fait, si vous voulez, la police et la gendarmerie, les services du ministère de l'Intérieur au sens large, ont régulièrement des réunions avec les grands réseaux sociaux, donc TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, où justement on travaille à améliorer la coopération entre les enquêteurs avec leurs modérateurs, puisque bah, c'est quand même eux qui modèrent à la base le contenu, et surtout de manière à fluidifier les relations quand on veut obtenir des informations sur les gens qui postent ou qui mettent en ligne des images ou des vidéos qui n'ont rien à faire sur Internet. Et parce que nous, l'idée derrière, à la base, bien sûr, vous l'avez compris, c'est d'interpeller ces gens-là et puis surtout de démonter des réseaux parce que derrière une image, il y a toujours un enfant victime. Oui, pédophile, oui. Donc TikTok, ouais, moi j'avais assisté à une réunion, c'est Marlène Schiappa qui l'avait organisée, c'était peut-être une des premières, je ne sais pas, où il y avait tous les opérateurs, effectivement. Et voilà, il y en a de manière très régulière, à des niveaux techniques et à des niveaux plus politiques aussi, pour faire évoluer ces grosses boîtes dans leur modération, dans leur implication sur ces domaines. C'est leur partir au boulot. Bon, ben, bon courage, nous. Nous, on a encore un petit moment avec vous. Est-ce que tu peux parler de ce que tu fais en matière de prévention? Quelles actions tu mènes en matière de prévention? Je sais que tu es très actif sur Twitter et il y a du travail sur Twitter, donc c'est bien. Est-ce que tu peux décrire un peu ce que tu fais de manière plus large? Alors, avant, j'imaginais que tu allais sur les salons tels que le FIC, le Forum Ouais, international avant le cyber à Covid. Lille, avant le Covid. Est-ce qu'il y a d'autres types d'actions de prévention que tu Alors réalises? effectivement, là, sur Twitter, en fait, on réalise des actions qui sont variées et qui sont ciblées sur différents publics. Souvent, on travaille sur les jeunes. Quand on observe, parce que nous aussi, on est sur Twitter, nous aussi, on surveille les principaux hashtags et tout ce qui est en top tendance sur Twitter. Et quand on voit qu'il y a un phénomène de cyberharcèlement qui commence à se mettre en place, tout de suite, on met en ligne des infographies pour, un, rappeler la loi, rappeler que c'est interdit. On indique aux gens comment contacter la brigade numérique de la gendarmerie, comment se protéger, comme je le disais tout à l'heure, en verrouillant son compte, en récupérant donc des captures d'écran, des éléments de preuve pour ensuite aller déposer plainte. Après, on cible aussi, en termes de prévention, les entreprises, notamment quand il y a dans l'actualité des faits de rançon logiciel sur les hôpitaux, par exemple, ou des mairies ou des métropoles qui avaient été attaquées. Là, on va effectivement rediffuser plusieurs fois le même contenu ou des messages actualisés pour effectivement alerter sur tel ou tel type de menace. Et après, bien évidemment, on suit aussi l'actualité. Par exemple, quand il y a eu la Saint-Valentin, on a fait des messages de prévention ciblés sur les rencontres amoureuses sur Internet, parce qu'il y a beaucoup d'escroqueries au sentiment sur Internet. Vous avez dissuadé les amoureux. Voilà, pour faire attention, autrement dit, à la personne que vous ne connaissez que depuis une semaine et avec laquelle vous ne faisiez que chatter et qui va vous demander 1000 euros pour venir vous voir depuis un pays étranger. Ben ça, par exemple, il faut se méfier parce qu'à 99%, c'est une escroquerie. C'est vrai qu'on se dit toujours que les gens sont crédules, mais c'est vrai que quand on est passionné, qu'on est, alors tu parles d'une relation amoureuse, mais même sur d'autres sujets, par exemple où on est militant, où on croit en la cause, ben c'est pas que de la crédulité, on peut aussi se faire avoir, même si dans la vie de tous les jours on n'est pas crédule, ça peut être une cause qui nous touche particulièrement, j'imagine. Merci Diane pour le lien vers la brigade numérique. Il y a un risque de conflit politique dans votre prévention? Ben non, je vois Non. pas. Bah nous, notre mission, c'est d'éviter C'est qu'il y ait des pas du tout victimes. politique, justement. Donc, on travaille pour le public. C'est un service public. Donc, l'idée, c'est voilà, que les gens ne soient pas victimes d'infractions quand ils vont sur Internet. Bon, idéalement, qu'ils n'en commettent pas non plus. Mais à la base, quand on fait de la prévention, c'est ça. C'est des conseils de prudence. C'est
comme dans la vraie vie, quand on dit aux gens, bah, dépassez pas les limites de vitesse, mettez votre ceinture, soyez prudent, bah, c'est le même principe. Ouais, sur Twitter, je suis d'accord, il y a beaucoup à faire. Après, on ne sait pas trop par quoi commencer. Alors, dans les faits, on commence par le plus grave. Donc, ce qui est de l'apologie du terrorisme, de la haine en ligne, de l'insulte, du racisme, etc. Tout ça en signal. Mais voilà, je suis d'accord avec toi que Twitter, il y a énormément à faire. 10 milliards de messages par heure. Oui, il y a le volume aussi. Et puis, c'est pas prêt de s'arrêter, hein, ce volume-là. C'est pas modérable, bah voilà, c'est pour ça qu'on commence par le plus grave. Après, moi, je me dis qu'un jour, mais c'est peut-être parce que je suis idéaliste, hein, à force d'éducation aussi, à force de difficultés qu'on rencontre, enfin, je pense qu'il y a des choses graves dont on commence à avoir conscience, dont on n'avait pas conscience il y a 10 ans, bah, tout ça, ça change. Et moi, je crois beaucoup sur la jeunesse, et c'est pour ça que je crois aussi beaucoup sur la prévention pour changer de comportement. Il y a plein de jeunes qui n'ont pas envie d'être insultants en utilisant les réseaux sociaux, qui certes ont envie du pseudonymat, mais qui à un moment aussi font pas tout et n'importe quoi. Donc je crois que les choses peuvent changer progressivement. Peut-être qu'à un moment on s'est fait déborder hein, par ces réseaux sociaux qui donnent une liberté phénoménale, et peut-être que tout ça au fur et à mesure va être régulé, et peut-être qu'il y aura des lois nationales, internationales qui progressivement le réguleront. Hein. Je pense que c'est un combat qui est pas vain et qu'il faut mener. Là pour le coup c'est du champ politique, ça dépasse nos compétences, mais voilà, c'est à ça aussi que sert la loi, hein. On lit, hein, on lit, on prend notre temps. On lit les différents commentaires, mais Tu réagis, hein, s'il y a des choses qui te... Alors après, effectivement, il y en a qui parlent du machine learning. En fait, c'est parce que les réseaux sociaux, comme effectivement, il y a beaucoup de tweets, par exemple, sur Twitter, il y a une intelligence artificielle qui va modérer automatiquement certains contenus. Alors le problème, c'est que ce n'est pas un être humain derrière. Et nous, pour intervenir le gendarme, on a besoin d'un élément de preuve. Or, s'il n'y a plus aucun message disponible avant qu'on ne l'ait vu, ça va poser problème, effectivement. Et puis, comme certains le soulignent, parfois, l'intelligence artificielle peut se tromper et on peut avoir des gens qui ont leur tweet supprimé ou leur compte suspendu parce qu'il y a eu un raté dans la modération. Donc, effectivement, c'est un sujet complexe hein, sur lequel on travaille régulièrement avec les réseaux sociaux. Mais effectivement, alors après, sur les questions sur les messages injurieux, alors quand c'est de l'injure simple, en fait, c'est un peu particulier parce que c'est une infraction qui est spécifique, enfin, c'est un cadre juridique particulier. Et en fait, il faut d'abord déposer plainte. C'est l'injure, comme d'autres infractions, comme la diffamation, on ne peut pas faire de signalement Pharos. Il faut forcément que la personne dépose plainte parce que ça touche à la liberté d'expression. Et il n'y a qu'un juge qui peut décider, effectivement, à terme de. Ce qui doit en être, si c'était injurieux ou si c'était diffamatoire. Donc c'est pour ça que c'est des infractions un peu particulières par rapport à vos commentaires. Après, je partage sur le chat là, tu as raison en fait, mais c'est le principe avec tous les délinquants. Dès lors qu'on trouve une parade contre un acte de délinquance, bah, la délinquance elle se transforme en fait. Donc tu dis voilà, qu'ils n'utilisent plus les mots en entier, etc. Bah, tu as raison en fait. Et donc quand on arrivera à lutter aussi contre ça, et bah, ils se transformeront. C'est valable dans le domaine cyber, hein, cette évolution de la délinquance, mais c'est valable dans tous les champs en fait. Hein. Fortnite France, ok, qui a fait des efforts. Hein. Ouais. Alors moi, il y a une campagne que j'avais vachement aimée, c'est celle avec le Bureau des légendes. Alors je sais qu'elle a beaucoup fait débat, elle a beaucoup été décriée, alors sûrement qu'elle a coûté cher, je ne sais pas combien elle a coûté, mais je la trouve bien. Je ne sais pas si vous voyez tous ce à quoi je fais référence. Je ne sais pas toi ce que tu en as pensé aussi de cette Moi, campagne. je pense que toute campagne de prévention, effectivement, est bonne à prendre, puisque l'important, c'est que les gens soient sensibilisés. Est-ce que vous pourrez mettre des pièces jointes sur Pharos? Alors, pourquoi on ne peut pas mettre de pièces jointes sur Pharos? C'est pour ne pas alourdir le système, et c'est aussi, je dois vous l'avouer, parce que dans une pièce jointe, dans un fichier PDF ou dans une image toute simple, quelqu'un peut mettre un programme malveillant. Et effectivement, c'est un peu délicat de prendre le risque de faire rentrer ces informations dans nos systèmes informatiques. En revanche, c'est pour ça qu'il est important de faire tout de suite le signalement sur Pharos, parce que comme il y a des policiers et des gendarmes qui sont en permanence la nuit et 7 jours sur 7, ils peuvent tout de suite aller cliquer sur le lien et vérifier effectivement si le contenu est illicite ou pas.
Donc, mais les pièces jointes, effectivement, c'est pas possible. Alors, il y a une DMZ, mais ça, c'est un peu plus complexe, on va pas rentrer dans les détails. Pharos, ils l'ont renforcé, hein. Il y a quelques années, par exemple, ça ne fonctionnait pas la nuit. Donc ça, déjà, maintenant, c'est plage entière. Et ils ont encore mis des policiers et des gendarmes supplémentaires. Donc en fait, ça n'arrête pas de se renforcer au fur et à mesure que la délinquance cyber, elle grossit. Oui, une part d'éducation, bah, je suis complètement d'accord. Ouais. Alors, il y a un bouquin moi, que j'avais lu, que j'avais bien aimé, de Nicolas Arpagian. Je sais pas, je pense que tu le connais Oui, je aussi. connais bien. Moi, il enseigne, j'en ai entendu parler parce qu'il enseignait dans les écoles de police et peut-être de gendarmerie aussi. Aussi, oui. Et l'autre jour, je l'ai vu, il était chez Yves Calvi à l'Info du Vrai, l'émission du soir, là. Et je crois qu'il a fait il a fait plusieurs volumes. Moi, celui que j'avais lu était assez gros, mais il en a fait un, je crois que c'est un petit Un poche, que sais-je. un que sais-je, voilà, que sais-je sur la cybersécurité. Ça, si certains ont envie de lire sur le sujet, je trouve que c'est pas mal. Exactement. Après, je sais pas s'il y a des films ou des séries pour toi qui dépeignent bien le travail, qui sont fidèles à la réalité de ce que font les gendarmes et les policiers. Je sais pas si. Alors, il n'y a pas beaucoup de. Enfin, c'est délicat parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de séries qui sont réalistes. Parce qu'en un épisode Ouais. de 50 minutes, voire d'une heure, ça peut pas effectivement être ce qu'on voit dans le. Ce qu'on fait dans la vraie vie parce que bah, ce serait trop long pour passer à la télévision. Mais effectivement. Les protections pour les Ouais. enfants. Alors, oui, effectivement, on en a parlé tout à l'heure. Il y a des contenus en matière de prévention qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Et après. Physiquement, vous avez ce qu'on appelle des correspondants qui vont dans les écoles, dans les collèges et les lycées pour réaliser des opérations de prévention et de sensibilisation donc, aux risques qui sont présents sur Internet. Être au contact de l'information, bah oui, il faut. Il faut. Ah oui, Alors, alors, vas-y, logiciel, je vais logiciel, je répondre, pense que ouais. c'est pour parler La des logiciels de protection. contrôle parental. Donc effectivement, ça c'est des choses que les parents, de mon point de vue, moi qui suis père de famille, mais mes enfants sont un peu jeunes encore, effectivement, le contrôle parental, c'est très important pour les mineurs qui vont commencer à aller sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est important, surtout que les parents parlent avec leur enfant de ces thématiques, qu'ils discutent de ces sujets. Quand on achète un téléphone à son enfant, un smartphone, il faut effectivement lui en parler, lui dire qu'il y a des risques, qu'il y a des moyens de se protéger, qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Et après, ça, pour le coup, c'est une décision de père et de mère de famille. Il est possible de configurer des solutions de contrôle parental, aussi bien chez Samsung que chez Apple, que sur Android ou que sur iOS. Il y a des applications où parfois c'est même intégré au système et on peut mettre des codes pour restreindre telle possibilité, comme installer des applications, comme téléphoner ou se connecter à partir de certaines heures, etc. Donc ça, effectivement, il faut vraiment en parler. Après, il y a une question sur les crypto-monnaies. Alors, nous, la gendarmerie, on lutte contre ce qu'on appelle les usages illicites de crypto-monnaies. Ce qui veut dire que, par nature, ce n'est pas interdit hein, de payer quelque chose avec un bitcoin. Hein. C'est d'ailleurs possible sur Internet de payer des abonnements avec des bitcoins. Nous, on s'intéresse uniquement sur l'utilisation illégale qui en est faite. Les gens qui font des rançons logicielles et qui se servent des bitcoins ou d'une autre crypto-monnaie pour demander une rançon, bah, c'est totalement illégal. Donc nous, là, effectivement, on va travailler. Après, il y a des questions qui sont monétaires sur le contrôle de la monnaie, mais ça, ce n'est pas le rôle de la gendarmerie ou de la police. Mais effectivement, les crypto-monnaies, bah, ce n'est pas interdit en soi, mais ce qui est, nous, on s'intéresse aux activités illicites qui utilisent ces crypto-monnaies. Oui, je vais baisser le. Je vais baisser le son, j'ai essayé, mais là, ça dépasse mes compétences informatiques. Je ferai mieux la prochaine fois, je vais baisser. Alors moi, je l'entends plus par contre, parce que j'ai quand même baissé le son, et donc j'entends pas ce que vous entendez, voilà. Ça veut dire qu'il y a des followers, donc ça veut dire que ça vous intéresse, c'est bien. D'ailleurs, si vous voulez en parler autour de vous, hein, parce que je suis un tout bébé chaîne pour le moment, et j'espère que j'aurai de plus en plus de monde, donc voilà. N'hésitez pas à en parler, à partager, je ne sais pas encore exactement comment on peut faire des partages de communauté, mais n'hésitez pas. Oui, j'ai compris, c'est ultra violent, j'ai compris. Moi, j'entends plus rien, si ça peut vous rassurer.
Ok, bah, je pense que quand on aura fini le stream, j'ai demandé à Mathieu de tout m'aider à paramétrer. Ah, il y a une question sur le chantage à la diffusion d'une vidéo intime. Donc, C'est ouais, revenge porn, c'est ça? c'est même encore Ah oui, différent. c'est Alors, il y a... sexting. Quand on est victime d'une tentative de chantage sur Internet ou d'extorsion, en particulier quand ça concerne la diffusion d'une vidéo intime, dans tous les cas, il ne faut jamais payer. La première chose à faire quand on est mineur, il faut en parler à ses parents ou à un adulte et il faut toujours déposer plainte. Il ne faut jamais payer une rançon parce qu'après, on met la main dans un engrenage et on ne sait jamais vers quoi on va et il ne faut surtout pas le faire. Il faut vraiment prévenir les services de police ou de gendarmerie, déposer plainte, mais ne surtout pas céder. Alors ça, c'est vrai que même sur les rançons logicielles. D'ailleurs, on dit rançon logicielle ou rançon logicielle, parce que toi, tu dis rançon logicielle et moi, j'ai Alors, lu rançon logicielle. C'est pareil. il y a rançongiciel en français et en anglais on dit Ransomware. ransomware. D'accord, c'est la traduction. Okay. Et alors, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas assez dit, on le redit très très clairement. Il ne faut pas payer, quoi qu'il arrive. C'est comme, je sais pas, si on enlève vos enfants et qu'on vous demande une rançon, vous payez pas, vous appelez la police. La question, elle se pose même pas. Et bien là, c'est pareil, c'est à l'enquête de démêler tout ça. Et sinon, vous n'avez aucune certitude que votre problème soit résolu. Et au contraire, vous faites le jeu des délinquants. Donc, il ne faut pas payer, c'est très clair. Bon, bah, je crois qu'on a vu pas mal de choses. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes dans le chat qui voulaient interagir ou te demander des choses, sinon on va bientôt rendre l'antenne. La nouvelle crypto. Non, on n'a pas abordé les différents types parce qu'en fait, il y a plusieurs centaines de crypto-monnaies qui existent dans le monde. Donc, si on commence à tout détailler, là, il va falloir plus d'une heure pour effectivement tout aborder. Et je ne pense pas que ce soit le thème de la Bon, en séance tout cas, aujourd'hui. vous suivez les nouvelles crypto-monnaies, enfin, tu as l'air bien au courant de tout ce qui sort, c'est votre boulot aussi de suivre tout Exactement. ça en temps réel. Et une fois de plus, c'est ce qui est illégal que vous allez rechercher. Effectivement. Comment reconnaître un faux mail d'une entreprise ou d'une Ouais. administration? Alors généralement, c'est assez simple. Déjà, la première chose à vérifier, c'est l'entête et surtout l'adresse email. Parce que n'importe qui peut envoyer un mail en écrivant dans l'entête, gendarmerie, police nationale ou impôts. En revanche, dans l'adresse email, il peut y avoir des éléments d'information sur est-ce que l'adresse semble vraie ou est-ce que c'est une fausse adresse. Ensuite, dans le corps de mail, il y a souvent la police de caractère, les fautes d'orthographe, la présence d'un lien bizarre vers un site qui n'est pas en .gouv.fr ou qui n'est pas en HTTPS sont un ensemble d'éléments qui doivent vous alerter pour vous dire attention, le mail que j'ai reçu, c'est suspect. Sachant que quoi qu'il arrive, aucun service de l'État ne vous demandera jamais vos coordonnées bancaires par email. Les impôts, ça existe assez souvent. Je vois passer des choses. Alors, Ouais. est-ce que la gendarmerie pourrait faire sur YouTube des vidéos tuto contre les arnaques? Alors, il y en a. C'est vous tapez dans YouTube Gendarmerie nationale, coup de pouce du bleu, et vous avez plusieurs vidéos thématiques, et notamment sur les arnaques sur Internet et les arnaques sentimentales. Je sais que la police aussi en a fait pareil sur YouTube, sur leurs réseaux sociaux, vous retrouverez tout. Hein. Oui, effectivement, il y a une fuite de données sur Facebook. Oui, sur le phishing, c'est ce que tu disais, le mail. Voilà, faut avoir un peu l'œil aiguisé pour aller essayer de détecter ça. Et comme tu l'as dit, de toute manière, on ne demandera jamais des informations bancaires, par exemple, par mail. Jamais. C'est certain. Bon, moi, je crois qu'on a fait déjà un gros tour du monde cyber. Je sais pas s'il y a des choses que tu voulais. À toi le mot de la fin. Des Bon. choses que tu voulais dire ou un message que tu voulais faire passer plus spécifiquement. Sauf s'il y a d'autres questions qui arrivent entre-temps, mais sinon, Alors, vous je avez te fait. laisse conclure. Alors, s'il y a une question, vous Ah avez ouais. fait quelles études? Alors, je l'avais dit au tout début, donc j'ai Mais Brian, il arrive en fait. retard. Il nous Voilà, a dit que j'ai fait c'était. des études de droit. J'étais déjà intéressé sur le cyber, donc j'ai travaillé sur le droit pénal des nouvelles technologies, principalement la cybercriminalité, donc les infractions cyber. Après, j'ai passé le concours, et après, en interne gendarmerie, on peut faire des formations avec des universités. Il y a différents niveaux, mais ça prendra un peu de temps de tout détailler pour ensuite se spécialiser dans la lutte contre la cybercriminalité. Il y a des formations techniques, des formations juridiques. Après, donc sur le mot de la fin, même sauf s'il y a d'autres questions. Le mot de la fin, c'est que quoi qu'il arrive, il faut casser ce sentiment d'impunité sur Internet. C'est comme dans la vie réelle de tous les jours. Ce qu'on met en ligne, on en est responsable.
quand on retweet quelque chose qui menace un message violent vis-à-vis de quelqu'un, qu'on participe à une entreprise de cyberharcèlement, bah, c'est illégal. On peut être condamné à une peine de prison, à une peine d'amende pour ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des victimes derrière. Et ce n'est pas parce que vous avez un pseudonyme sur les réseaux sociaux que les policiers et les gendarmes ne pourront pas vous retrouver. Après, en matière de prévention, le conseil qu'il faut, les principaux conseils qu'il faut retenir, c'est attention à la diffusion des données personnelles. On peut discuter avec des gens qu'on rencontre, mais il faut toujours voilà, être alerte et se méfier et ne pas faire confiance trop vite. Parce que le problème, c'est qu'une fois qu'on envoie une donnée sur Internet, que ce soit un réseau social ou même par un message via WhatsApp, Telegram, etc., on en perd le contrôle. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que tout ce qu'on met en ligne, on n'a plus la main dessus et que Internet n'oublie rien. Bah écoute, c'est super comme mot de la fin. Merci Mathieu mille fois à toi C'est de moi qui te m'avoir remercie. accompagné pour ce stream parce que l'expert c'est lui. Moi je connais pas assez bien tout ça. On continuera à regarder un peu le chat pour Ouais, peut-être pour répondre répondre au dans le dernier. chat, oui. Bah merci à vous de nous suivre. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, je pense que moi je passerai un temps avec vous tous les jeudis midi. À chaque fois, j'essaierai de faire venir aussi des intervenants qui, une fois de plus, connaissent mieux que moi les sujets. La semaine prochaine, je pense qu'on va essayer de parler des jeunes et des opportunités pour les jeunes au sein du ministère de l'Intérieur. Ça peut être du recrutement, des stages, de l'alternance, etc. Mais aussi, voilà, des actions que les policiers, les gendarmes, les préfectures, les sapeurs-pompiers ont auprès des jeunes. Donc voilà, les jeunes et le ministère de l'Intérieur pour la semaine prochaine. Si vous voulez en parler autour de vous, si ça vous intéresse, voilà, rendez-vous bah, la semaine prochaine, même lieu, même heure. Et puis, je vois et je lis des merci, mais surtout merci à vous. Parce que c'est parce que vous êtes là qu'on fait ces streams. Voilà, je vous dis à bientôt en tout cas. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Et faites attention, changez vos mots de passe souvent et ne soyez pas crédules sur Internet. Exactement.